terminerai cette thèse par les propos de Charles Perrault dans Les Hommes Illustres en 1696. Charles Perrault disait Jeanne. Qui êtes-vous? Oh, Jean de La Fontaine. Ok, d'accord. Mais en vrai, qui êtes-vous? Parce que Jean, il aurait plus de 400 ans. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le potelet. Quel esprit ne va la campagne? Qui ne fait châteaux en Espagne? Picrocole. Pyrrhus. La laitière. Enfin tous. Autant les sages que les fous. Je n'ai écrit aucune fable. Vous aviez un écrivain fantôme? Pardon? Un écrivain fantôme. Un ghostwriter. 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 English. Que vous êtes jolie. Que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. Oh, c'est bien ça. C'est vous? Comment ça? Tout de même, Jean. Non, vraiment, le corbeau et le renard, ça vous dit rien. Pourquoi ça devrait? Enfin, c'est une des plus connues. Une quoi? Une fable, Jean, de quoi parlons-nous depuis tout à l'heure? Ils sont trop verts, dit-il, et bons pour des goujats. Le renard et les raisins. Va-t'en! Parfois, Jean, qu'est-ce qui vous prend? Chétif insecte. Eh oh! Excrément de la terre. Ben, ça va pas bien, là? Le lion et le moucheron, Jeanne. C'est moi, le moucheron. Combien avez-vous de followers? Followers? Words, words, English. Remember, where is Brian? In the kitchen. Voilà! Nous vous y servirons en frère. Faites-en les feux dès ce soir. Et cependant, viens recevoir le baiser d'amour fraternel. Un vieux coq sur un mur qui picote du pain dur. Tel est pris qui croyait prendre, ne sous-estime pas un autre que toi. Quand c'est lui le chasser, que tu